personnes qui viennent acheter local à Etsy, fait au Québec, à Montréal, au Technopolingus. Alors, Léa est arrivée une heure d'avance avant l'ouverture des portes et regardez ce qu'elle a eu. Elle a eu un super sac Etsy fait au Québec, Montréal. Et ben, les artisans donnent des objets, des cadeaux, des articles, des rabais aussi. Donc, c'est une super belle façon de connaître les artisans qui exposent aujourd'hui. Puis surtout, bien, d'avoir un petit cadeau en rentrant. C'est toujours apprécié. Des différents marchés Etsy fait au Québec, partout dans la province. Je voulais remercier tous les artisans et les organisateurs qui ont rendu la chose possible, donc ils m'ont envoyé une partie de leur vidéo pour montrer un peu l'ambiance dans chacune des villes où il y avait des marchés organisés. Donc Etsy Québec était très heureuse de faire la promotion de ces différents marchés. Sachez que notre blog, notre page Facebook et notre compte Instagram ont pour but de faire la promotion des différents artisans ayant une boutique Etsy et de montrer ce genre d'initiative-là. Si jamais vous êtes un artisan qui a une boutique Etsy et que vous avez envie de participer à ce genre d'événement-là, sachez qu'il y a des équipes, des teams, comme on appelle dans notre jargon, des teams dans chacune des régions du Québec qui travaillent très fort à faire la promotion des artisans, mais surtout à organiser ce genre de marché-là. Donc, vous pouvez les rejoindre sur leur page Facebook respective. C'est là qu'ils vont mettre les appels en candidature. Et comme ça, vous saurez à quel moment vous pourrez faire la promotion de ce que vous faites. Donc, au plaisir de vous croiser dans un marché prochainement. Et on se revoit pour d'autres vidéos sur plein d'autres sujets sur le blog Etsy Québec. Bonne journée!